Les personnes qui travaillent en ESAT ne sont pas suffisamment considérées comme des salariés et n'ont pas tous leurs droits, ce qui est contraire à la position prise par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées que soutient la DAP. Quel serait pour vous le statut juridique adapté ?